Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita Tande Nouvelle ça qui entre la caillou. Moi, c'est Metin Fou, quel que soit côté branché. On dit bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. Nous toujours contents, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter l'édition Nouvelle Parole. Journée, mercredi encore, route nationale numéro 2 a été bloquée dans le niveau Matissan. Donc, c'est Neg Axam dans Grand Ravine avec dans Tibois qui était descend encore, bloqué route là avec toute qualité de débris. Avec camion marchandises, yo saisi, donc qui te empêché circulation faite dans le Grand Sud là, avec Port-au-Prince, avec un bon parti dans le département l'Ouest là. Commission protestante contre dictature a annoncé la tamen un gros match dans Port-au-Prince, journée dimanche 27 juin, qui a venu là. Donc pour aller à bas dictature, à bas référendum, Jovenel Moïse était projeté pour organiser la date 27 juin, malgré qu'il était campé sous date ça. Donc, il dit qu'il a renvoyé pour une date qui n'est pas fixée. Donc, le projet est toujours là. Donc, la commission protestante dit qu'il y a un match contre la dictature et contre le référendum. Si là. Donc, le secteur démocratique et populaire a annoncé qu'il a appuyé carré barré. Donc, le match si là, qui a fait contre la dictature. À référendum Jovenel Moïse là. Bureau responsable bureau avocat international yo maître Mario Joseph dénoncé pouvoir en place là, il dit qui c'est un pouvoir criminel donc qui pas fait rien pour yo capable voler à ses complices milliers moun qui déplacés gang armé forcé déplacés dans zone Matissan depuis plusieurs semaines côté Altabli Basio dans centre sportif Kafoua à plusieurs côtés dans commune Kafou sans aucun secou côté abdomi dans sirin tant qu'aux animaux. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents rejoindre nous pour nous présenter aux éditions Nouvelle ça. Nous préparer pour vous, Jean nous annoncé la route nationale numéro 2 a été bloquée encore journée mercredi. Nan niveau Matissan pendant toute journée. Donc, individu armé qui sorti dans zone Tibois à Grand Ravine, cap commun pour territoire, eh bien, te bloqué route ça avec toute qualité débris, yo joine dans zone ça avec tout question camion, marchandises, yo saisi. Donc, côté yo te fait gros barrage pour empêcher circulation machine. Motocyclette et piéton fait dans la zone. Pas gagné aucune circulation qui était possible, même motocyclette. Donc, dans la nuit mardi pour l'ouvrir, journée mercredi, encore, donc, c'est la pluie coup d'âme qui était chanté. Et donc, entre gang armé dans Tibois et Gravine, dans la zone Matissan, il y a même qui a troqué Konyo pour territoire. Donc bilan qui est en pile caille qui boule donc dans zone Matissan 15 à Matissan 17. Donc la police était toujours absent dans action sa yo. Donc action bandi sa yo qui a fait dans Matissan pour ta stopper action bandi yo. Donc yon bon pays a toujours été bloqué à cause eh bien gang armé yo même qui a fait démonstration force dans troisième circonscription Port-au-Prince. Dans la commune Croix-des-Bouquets, l'insécurité a toujours abattu le terrain. Gang armé 400 marozoyo débarqué dans un petit quartier populaire qui relait dans Rémi. Donc, côté, il fait un conseil coup de zam pendant un paquet de temps dans la journée mercredi. Donc, toute cette zone du Val est affectée avec beaucoup de zam qui t'a chanté. Donc tout le monde était obligé d'être en dans caillou si là qui était en dans caillou était dans la cour qui était là mais était obligé fermer porte et puis rester en dans caillou. Donc d'après information yo gagné plusieurs citoyens qui étaient victimes en bas gros attaque si là qui fait bien bonnet matin mercredi dans zone Croix des Bouquets dans localité nan Rémi avec gang 400 marozoa qui chita dans zone Gantier. Commission protestante contre dictature dans le pays d'Haïti annoncé la tamen un gros match pacifique journée dimanche 27 juin cap venir en Port-au-Prince. Match ça c'est pour dire non à dictature, non avec référendum Jovenel Moïse là d'après pasteur Gérald Bataille, yon nan leader protestant qui lui-même lancé match si là. Leader religieux a mandé population pour rester avec des graines calées bien l'ouvrir, une façon pour le capable faire échec avec projet
la mort pour voir tête calée. N'a rappelé pour voir en place ça, donc l'été reporté pour une autre date, une date beaucoup fixée. Donc référendum et pouvoir lui-même il était annoncé la fait dans date 27 juin qui a venu là. Donc malgré il était dit il était reporté date ça, cependant gagné et bien autorité yo, ministre chargé question élection dans pouvoir en place là, il fait qu'on est et bien et conseil électoral provisoire a bougé pour le réaliser élection yo à plusieurs niveaux. Donc il était date là pour choisir secteur démocratique a populé à lui-même, li dit li a pillé carré barré. Donc mobilisation 27 juin qui a venu là contre dictature dans le pays d'Haïti. Fernando Duclerc, membre secteur démocratique a populé à dit eh ben fait qu'on est c'est l'occasion pour population dénoncer la vie chère, insécurité qui a fait rage dans le pays d'Haïti. Fernando Duclerc fait qu'on est marche à lui-même la démarrer donc dans Carrefour aéroport, ça y est Carrefour résistance là pour l'albout sous champ de masse. Nous invitons à écouter déclaration Fernando Duclerc. Cette démocratique là, nous avons un spécial pour déplacer, pour réfugiés. Nous connaissons que la martissante de l'essai de monde qui déplacé. Nous connaissons Delma 2, Chinale dans l'école Véléna, nous avons un paquet de monde qui déplacé. Chinale dans l'église Sétive, nous avons un paquet de monde qui l'a. Et Chinale dans Delma 103, nous avons un paquet de handicapés qui l'a parce que nous avons les camps handicapés qui sont sous piste là. Cette démocratique là a baissé, nous avons des chapeaux. Et nous invitons la population pour venir dans la rue le 27 et nous voyons du mariage très simple. Comment que nous comprenons des cellules de moutons qui contrôlent le pays à même, des cellules de moutons qui contrôlent Matissan, qui ne contrôlent pas le Mastis, qui ne contrôlent pas le Plein Air, qui ne contrôlent aucun côté de pays à réaliser l'élection. Comme dirait le professeur Maniga, vous n'êtes pas sérieux. Si la Maniga t'a dit, nous pas sérieux, secteur démocratique là, nous bataille et nous pas faire max. C'est peut-être ça, nous faisons appel à la mobilisation, nous disons dimanche 4 27 là, nous appelons tout le monde dans la rue, quel que soit secteur là, quel que soit Mounouillé. Ils n'ont pas accepté que ce référendum, ils n'ont pas accepté que ce soit élection. Mais nous, comme Jovenel Moïse, pas président, il faut venir dans la rue. Et nous appelons tout le monde, secteur démocratique, là, embrasser bataille, cause, monsieur l'église a mené, et nous avons boumé jusqu'au bout. C'est peut-être ça que nous avons parcours pour dimanche 27 là. Nous avons sorti chez le Mars, et tout le monde connaît tout le site ouvert. Pétionville a décidé, Carrefour a décidé, chez le Mars a décidé, et nous avons parti de chez le Mars, nous avons passé par la rue, nous avons tombé dans la zone pour trouver Carrefour au point même, et nous avons autre autoroute de Delma. Entrer dans Delma 32, n'entrer dans Delma 32 pour nous tomber sous la lune et pour retourner en dans chaîne masse de compagnie nationale. L'autre information, responsable bureau avocat international, M. Mario Joseph, dénoncé pour voir tête caléa. Il dit qu'il est qualifié de pouvoir criminel qui n'a fait rien pour donc relocaliser donc plusieurs milliers de monde qui déplacé bandits forcés qui étaient caillou dans zone Matissan depuis plusieurs semaines. Donc côté y a dormi dans bois tant qu'aux animaux. Donc c'est plusieurs milliers citoyens et ben qui quittaient caillou dans zone Matissan et qui gaillé dans commune Carrefour et spécialement dans centre sportif Carrefour à côté y a pas gagné c'est cou aucune autorité dans l'état. N'a signalé gagné plusieurs centaines disons handicapés. Donc Simo t'es obligé yo t'es forcé yo et quitter et quand yo t'a vivre dans zone et camp aviation dans base yo dans camp aviation côté t'es obligé à tabli base yo et provisoirement dans l'église et dans l'église Saint-Martin dans Delma 5 et plus tard ou t'a pral joindre yo t'a pral et ben quitter espace ça pour yo monter nou yal tabli base yo dans l'école communal Pétionville. En attendant, eh bien, moun ki genyen responsabilité dans question ça, secrétaire d'État et handicapé yo pour t'apporter ces kouba yo, mais juste journée mercredi a yo pot ko rive joine en yen nan men autorité yo. Nous invitons à écouter déclaration maître Mario Joseph. Mais il y a une constatée plusieurs semaines après bandit exam qui constitue bras armé organisation criminelle PHTK fin forcé plusieurs centaines de familles dans Fontamara, dans Matissan, qui était la caillou en Babal. Pouvoir de facto criminel PHTK après un crime pour relocaliser les victimes et obliger les réfugiés dans un espace qui va faire pour ça. Dans des conditions humiliantes, inhumaines, dégradantes, pendant un report
pouvoir criminel PHTK a annoncé qu'il fouiller bien fond dans l'argent client PLCO pour dédommager le pouvoir marchand fédéral de PIO, fédération gang qui a pris le business de l'IA. Mais elle a constaté fédération gang GF, qui s'est pas armé. Organisation criminelle PHTK, à pouvoir criminel, il y a simé la mairesse, tout côté dans la zone métropolitaine, Port-au-Prince, dans Port-au-Prince. Qui donc, tout côté GDF a opéré, c'est kidnapping, affrontement, pillage, blocage, assassinat, massacre, exécution sommaire, massacre en série, et puis expulsion forcée, ou du moins déplacement. Forcé. Ma petite campée là pour nous donner quelques explications. Parce que sembler la presse a perverti les questions de déplacement, déplacement forcé. Moi-même, matériel, tout est la caille avec propre autorité. Mais laisser à ZAM, bien ces événements ou bien catastrophes, faire déplacer, et bien violer ça, déplacement interne ou bien expulsion forcée. Souple, mes amis, pas banaliser, terminé. Donc, appeler le gouvernement, la société de vie de gouvernement, de préparer les déplacements, même pour nous ne pas être déplacés. C'est avec tout ça, nous obligés de sauver pour eux. Eh bien, il y a entré dans quatre principes de la société, que la société de vie doit dénoncer et demander à l'État haïtien parce que, il dit, quelle que soit, ouais, cause qui t'a fait un déplacement interne ou bien expulsion forcée, qui va être nommé là, eh bien, il doit considérer. Une violation grave des droits humains. Contrairement à une qui limite l'opération Fédération Gang GFO, à une question d'affrontement dans la gang, situation chaotique, telle est de ça, c'est apparence d'une guerre qui crie profond. C'est oligarchie économique à pouvoir criminel qui a fait guerre contre détermination des haïtiens gagnés pour craser, fini avec le système de sucé. Et guerre oligarchie ça, oligarchie économique blanc à pouvoir criminel qui a fait guerre contre masse, ça veut dire descendant, Bossalio, jouent une support sans faille des États-Unis, Nations Unies, à politiciens congés, débat ordonné. Dans ce sens, BAI a fait appel à vigilance population et puis rappelez-vous, il y a une autre fois encore, politiciens débat ordonné qui est les têtes aux opposition modérée. C'est un petit groupe volant, sans conscience patriotique, qui ont besoin de la patrie, qui a fait tout le impérialiste contre les revendications massives. L'autre information, ministre qui en charge des affaires élections dans le gouvernement de facto, Mathias Pierre, fait qu'on est bientôt conseil électoral provisoire contesté à gagner pour le mettre d'ailleurs un nouveau calendrier électoral, mais qu'abaille nouveau date pour réaliser référendum avec élection dans tout niveau dans le pays d'Haïti. Donc, d'après Mathias Pierre, pour voilà. Et toujours en dedans délai élection et li prévoit yo, donc sauf yo poko gagne date et y a choisi date là bientôt. Mathias Pierre, donc c'est ministre qui chargé des affaires élection dans pouvoir de facto jusqu'à présent nous avons un délai qui était fixé et vous pensez que c'est bientôt sur tout le monde il y a à peu près 2 semaines côté que il y a annoncé que a gagné un report du référendum et particulièrement aux corrélations et que l'ensemble d'experts, on parle de ces scientifiques sur le coronavirus là et sa santé publique et de publication et état d'urgence et vite fait que d'ailleurs nous constatons une montée de corona et de grand monde et maintenant ça demande un petit temps pour que les différents experts qui ont fait la question d'élection, on a parlé de techniciens, on a parlé de KMP, on a parlé de l'autre partenaire qui va accompagner le CEPR, on a parlé tout d'experts et ministères de santé publique qui avec CEPR pour garder qui meilleure approche pour utiliser pour que mon calendrier révisé qui sorte. Donc nous croyons que nous sommes très avancés quand le premier ministre a annoncé et dans la réunion que nous
fait dans les Nations Unies, et particulièrement deux réunions côté de avec lui, d'abord avec le secrétaire général des Nations Unies, et puis deuxièmement au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, et bien élection et référendum ont été une priorité pour le président et Jovenel Moïse, et nous-mêmes nous là pour qu'ils permettent et faciliter que le processus soit engagé. Donc nous pensons que d'ici peu, CEPA a sorti un calendrier électoral révisé qui gagne un référendum, élection, et certainement pour que nous soyons capables de dire que l'année finie, peut-être que mon président qui est élu dans le pays, hein, qui peut remplacer le président et Jovenel Moïse actuellement est élu comme président de la pays. C'est exactement l'objectif calendrier. On va bien que tu as déjà gagné un travail qui était fait par CEPA avec cellule et sécurité électorale pour être capable d'identifier ça dans les zones rouges, zones jaunes et zones vertes par rapport à zones côté monde pour aller voter et zones côté centre et bureau de voiture. Le travail ça a été en fait, donc il y a des zones qui étaient déjà identifiées comme des zones rouges, donc il y a des autres dispositions qui étaient déjà prises par rapport à la liste électorale pour qu'on ait qui bon pour dire qu'on va voter. Par quoi que nous, les salariés ont changé, je vous dis, hein, puisque la police était identifié toutes les zones et CEPA a été pris en compte pour chercher des zones ou encore des centres de vote alternatives qui proposaient, même parce que CEPA a pris plus de détails ensemble avec les cellules et sécurité électorale sous ensemble et les MSA. Mais pour nous dire que la question des déplacés, il y a pris en compte et la question de d'aller COVID et 19, tout lui-même la pointe. Donc il y a 1200 ni 300 000 personnes qui sont déplacées pour nous dire qu'il va y avoir un impact réel sur l'élection en lui-même. Je pense que ensemble, autorité sanitaire, et de même que l'autorité qui n'a ni sa affaires sociales, en train d'accompagner, faire inventaire pour qu'on ait exactement combien déplacés qui gagnent et porter assistance pour eux. Donc même par quoi que ça a pas créé un impact sérieux sur l'élection qui va venir en termes de comment pour nous. Pas bien que depuis qu'on a été enregistré dans le système électoral, on va être capable de voter. Et c'est ça le décret référendaire là, pour vous. Et parce que sur liste électorale là, pour vos numéros d'identification unique, donc c'est vous-même qui avez sur les passeports ou bien les censures capable d'identifier qui peut être voté. C'est ça qui est bien dans le décret référendaire. Là, qui vient très prochainement pour nous faire un point presse avec les partis politiques sur l'ensemble des recommandations qui étaient faites sous deux jours ateliers. Mais rapport ça, et vous avez des ateliers qui étaient faits, il y a un rapport qui produit, pour que rapport ça, la joindre toutes les instances concernées, particulièrement le CCI, qui est même recevoir, d'accord, dire pour que rapport ça, parce que la majorité des bagages qui étaient dans le rapport ça, c'est ensemble de bagages qui se faisaient intégrer dans les nouvelles constitutions. Question insécurité à continuer à valer terrain sous plusieurs formes dans la région métropolitaine Port-au-Prince avec un pays d'Haïti en général. Donc Zak Kidnapping yo retourné pour la plus belle dans Port-au-Prince. Donc Ganaël Bouger avec Manessa Saint-Preux. Donc c'est non deux jeunes demoiselles qui gagnent chaque 16 l'année. Donc qui est en classe seconde, bandit, exam, mais kidnappé sous place Chalmay Peralta dans le département, disons département centre dans la ville Inch, jeudi passé. Donc côté Yotap étudié, donc c'est deux nègres exam, donc qui étaient varés sous yo, mettez yo dans la machine et puis parti avec deux jeunes demoiselles sa yo. Ravi Seyo mandé $200,000 américains pour être capable de libérer yo. Faut que nous disions que tu as gagné un pile moun dans la population Inchlan qui t'a manifesté journée et mercredi pour demander libération Ganaël et Manessa sans condition. Toujours question kidnapping dans Port-au-Prince, il y a des plusieurs centaines d'étudiants qui t'ont manifesté dans la zone Delma, Delma 33. Donc, qui t'ont manifesté pour demander, disons, c'était journée mercredi,
pour demander et pour exiger libération sans condition, monsieur Raymond Jean-Baptiste, qui est doyen faculté de droit dans l'université Saint-François d'Assise, qui chita dans la zone Delma, disons dans la zone Delma 33. Donc, Bandio t'a enlevé, professeur, disons, dans la plaine, dans la zone Croix des Bouquets, jeudi, disons, et mardi passé. Donc, Malfrayo mandé une somme $750,000 américains pour être capable de libérer. Donc, situation continue difficile dans le pays d'Haïti, côté, eh bien, insécurité a manifesté sous toute forme. Yon coup de pied dans pays étranger, nous tombé direct dans pays États-Unis. Donc États-Unis dénoncé yon campagne la terre président Daniel Ortega, donc a fait contre opposant lio dans pays Guatemala. Dans pays Pérou, yon groupe ancien militaire manifesté donc contre ça aurait les fraudes avec eh bien contre ça aurait les fraudes qui étaient faites qui te gagné dans l'élection qu'ils ont faite dans le pays ça, Kishita Kol, dans l'Amérique latine. AstraZeneca, compagnie ça, donc les faits qu'on a, vaccin qui porte non AstraZeneca, donc c'est un vaccin qui est efficace en pile contre variant Delta COVID-19. Là. Donc, n'a pas signalé en pile pays dans le monde, là, principalement pays européens, eh bien, il y a des. Mais si span utiliser le vaccin AstraZeneca, il dit mais qui baille caillou sanguin. Toujours dans les États-Unis, Donald Trump, eh bien l'élu président, monsieur était envisagé là, mais pour le tal fermer tout le monde qui trappait maladie coronavirus là, ben sous île Guantanamo qui est à col non parti SPI Cuba. Donc d'après ça, la presse dans pays États-Unis révélé. L'autre information nous toujours à l'étranger, membre commando Sahara qui était assassiné et puis fond cadavre, disons cadavre corps journaliste saoudien Jamal Khashoggi, donc dans un bassin acide. Donc monsieur Sahara, eh bien commando Sahara, il était prend formation militaire dans pays États-Unis d'après ça journal américain New York Times révélé. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec session information ça. Nous remercions pour écouter avec attention. C'était amis frères, mes infos qui t'observent. Nous casser rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.